Il se laisse trouver. Il n'est jamais loin de son peuple. Il n'est jamais loin de son peuple. Il n'est jamais loin de son peuple. Béni sois toi qui es le Dieu qui est capable. Tu es capable de faire. Nous allons nous battre sous la vie à peuple. Nous allons battre les bosses à Bangou et à côté de Simba pour volonté de s'accomplir. Nous dépendons de ta volonté. Jodra Abrata. Jésus. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Merci, merci. Tu es capable. Nous te bénissons éternellement. Lorsque l'eau sera agitée. Alléluia. Quand tu m'y remplis. Lorsque l'eau sera agitée. Si la mer suffit. Celui qui a avant l'âge, il n'a pas besoin d'envoyer l'ange ce soir car il est parmi nous. Emmanuel, au plus profond, Emmanuel, dis-moi, Emmanuel, mais quand tu m'es rempli. Remplis-nous. Devant toi, nous sommes comme des vases vides. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous. Ton disabisso. Roba et Béthé. Si nous sommes là, au plus profond de moi. Je sois plus près de toi, à côté de toi. Nous voulons partager ta vie, Seigneur. Car la vie que tu as, c'est la vie éternelle. La vie de cette terre est tellement courte. Alléluia. Je te dis merci. Merci, éternel. Merci, éternel. Ça amène au Nzambe et j'y sais vie à son mérité. Amen. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Beta maboko pour le coup de Nzambe. Moto et beta kamaboko ayete. Moto ma maman va beta kamigolo baza wapi. Beta maboko pour le coup de Nzambe. Moto et Nzambe va faire si peu ma maman va yate le malo banga yo yo e. Nalobi oyokite, nalobi pote nzamba pesi pema atele malo banga yeye. Naligi na mona gutombo kwaza viva lo banga yeye. Pote nzamba bateli banana lo banga yeye.
Moto Nzamba koti ça na 2019 fo banga yo yo. Moto wa ki ba colore chaque la yo yo. Amen. Amen. Laisse-moi t'apprendre une chose. Dis à celui ou à celle qui est à côté de toi, dis impatient. Regarde, observe bien. Dieu peut dire un mot. La Bible dit, il dit un mot et les choses arrivent. Il dit un mot et les choses s'accomplissent. Lorsqu'il parlait que la lumière soit et la lumière fit. Lorsqu'il disait que les arbres poussaient. Lorsqu'il disait l'eau sépare-toi avec la terre, cela a été fait. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a créé seulement une seule personne. Alléluia. Lorsqu'il voulait ajouter des hommes, il a ajouté encore une autre personne. C'était deux personnes seulement. Mais il les a dit, soyez féconds, remplissez la terre et multipliez-vous. Alléluia. Cela veut dire, Dieu est patient. La volonté de Dieu ne peut pas être empêchée par des sorciers. La volonté de Dieu ne peut pas être bloquée par des féticheurs. Lorsque tu sens des difficultés, dis-toi que Dieu est patient. Quand je parle de la patience, cela veut dire quoi? Des choses que Dieu a préparées dans ta vie, cela doit se réaliser. Peu importe le temps, peu importe des combats, des réalités ou des tempêtes, la volonté de Dieu doit s'accomplir. Aujourd'hui, je vais parler avec quelqu'un. Il est là. Non, il y a 20 des abangotés. Dans le bateau, il télémi. Alléluia. Ma soeur, faites un effort. Bébé est réveillé. Faites un effort, ma soeur, s'il te plaît. Lève-toi 2 minutes seulement. Pardon, ma fille. Pardonne-moi, excusez-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Ma fille, toi aussi, s'il te plaît, lève-toi. Juste quelques minutes, s'il te plaît. Ma fille là-bas, lève-toi aussi, lève-toi, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce que comme on est debout, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu en disant seulement merci à Dieu? Amen. Mon fils, toi aussi, lève-toi. Lève-toi un peu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Cela veut dire quoi? La même manière que tu t'es levé, ce qui se lèvera contre ta vie sera condamné. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi va échouer. Des gens qui vont s'opposer contre toi, tu vas le vaincre. La même manière que tu t'es levé, toutes tes promesses sont aussi levées avec toi. Cette année, tu vivras la bénédiction de l'Éternel. Cette année, tu vivras l'accomplissement de Dieu. Que Dieu te bénisse. Maintenant, fais tes gestes d'amour, comme tu es debout. Regardez, il y a des bien-aimés, il y a nos frères, nos sœurs. Est-ce que tu peux saluer les gens dans la joie en disant que je suis content de te voir aujourd'hui? Amen. Est-ce que les vivants sont là? Est-ce que les vivants sont là? S'il y a des vivants, acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons rapidement prendre la Bible dans le livre de Jean. Évangile selon Jean, chapitre 8. Nous allons lire le verset 12. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Vous pouvez reprendre votre place, ma sœur. Ici, la lecture que nous venons de lire, la Bible dit, Jésus leur parla encore de nouveau en disant, et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. C'est une parole de Jésus. Si nous sommes ici, c'est lui qui est notre maître. Alléluia. Jésus leur parla de nouveau. Si on dit parla de nouveau, c'est qu'il a parlé. Après, il a répété. Que je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais qui aura la lumière de la vie. Alléluia. Sans plus tarder, notre thème s'intitule les garanties ou garanties de la vie chrétienne, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs garanties dans la vie chrétienne. Nous allons parler des garanties de la vie chrétienne. Et pourquoi nous parlons des garanties de la vie chrétienne? Parce que ton portable aussi a des garanties. Alléluia. Un vêtement peut avoir aussi une garantie. Un objet acheté peut avoir une garantie. Et quand on achète quelque chose, on demande si ça commence à avoir des failles, on se pose rapidement des questions. Est-ce que les garanties sont encore en cours? Alléluia. Et lorsque nous parlons des garanties de la vie chrétienne, parce que là, Jésus parlait encore de nouveau. Il a parlé, il a répété. Celui qui me suit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Cela veut dire quoi? Jésus parle encore de nouveau. Pour que quelqu'un puisse se présenter en disant que je suis la lumière du monde, cela n'est pas facile. Parce que nous savons, il y a un soleil qui est en haut. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, il est le soleil levant. Il nous a visités grâce à nos entrailles. Comme dit dans Luc chapitre 1er, que le soleil levant nous a visités d'en haut. Et Jésus s'est présenté parce que les gens, selon la Bible disait qu'il devait être sans éclat et sans beauté. Mais lui, il disait encore de nouveau, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous devons se rendre compte, lorsque nous parlons des garanties de la vie chrétienne, il y a des gens qui peuvent pratiquer la sorcellerie. Il y a des gens qui peuvent pratiquer des fétichismes. Il y a des gens qui peuvent pratiquer des coutumes. Il y a des gens qui peuvent faire beaucoup de pratiques. Mais dans certaines choses, ils n'ont pas de garantie. Laisse-moi t'apprendre, il arrive, il y a des fois, un féticheur est en train de faire ses tricks, mais il ne voit pas aussi des réponses où les esprits ne sont pas au rendez-vous. Je vais expliquer cela. Et pour mieux comprendre, comme je dis, il peut faire en sorte que l'ennemi ne soit pas au rendez-vous. Mais notre Dieu est toujours au rendez-vous. J'aimerais rappeler pour qu'on puisse mieux comprendre avant qu'on puisse entrer en profondeur. La Bible dit, à l'époque où les prophètes de Baal et d'Astarté croissaient en nombre, il y avait un homme qui s'appelait Élie, prophète de l'Éternel, qui avait la garantie que son Dieu était le véritable. Il avait cette garantie. Lorsque nous prenons la vie chrétienne, si vous n'avez pas de garantie, vous pouvez prier, être à l'église, mais cela va affecter votre vie à un moment donné parce que vous n'avez pas de garantie. Je vais poser une question très simple et je donne un exemple. Imaginez qu'on dit qui va entrer au ciel. Mais si vous n'avez pas de garantie, vous allez hésiter à élever votre main pour dire que j'irai au ciel parce que vous n'êtes pas garanti. Vous n'avez pas de garantie. Et vous devez s'en rendre compte, nous, que Dieu a fait grâce pour prendre cet endroit pour prier. On nous a garanti en disant que cet endroit vous sera pour vous. Une garantie te permet, dans la vie chrétienne, de savoir que ton Dieu est véritable et tu le fais partie aussi de son royaume. C'est pour cela que Jésus s'est présenté en disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si les ténèbres peuvent régner ici-bas, si la domination satanique peut dominer, celui qui marche avec Jésus, il ne peut pas être dominé par les ténèbres parce qu'il a une garantie que celui qui est devant lui, il a la lumière. Lorsque tu marches dans la lumière, les ténèbres ne peuvent plus dominer. » Alléluia. Vous savez, c'est vraiment difficile de parler de toutes les garanties. Parce qu'il y en a tellement beaucoup. On peut faire toute une année rien que pour parler des garanties de la vie chrétienne. J'aimerais rassurer quelqu'un ce soir. Le fait que tu aies accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ton première garantie, c'est aller voir le Messie tel qu'il est.
C'est pour cela, lorsque Jésus parlait, la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé avec toi et ta famille. C'est une garantie. Le fait d'accepter Jésus-Christ, une processus peut se créer pour sauver aussi ta famille. Mais si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, donc une processus ne peut pas se faire jusqu'à atteindre ta famille. Oui, une seule personne n'entrera seulement dans le royaume des cieux. Mais le fait que tu connaisses la parole de Dieu, cela peut attirer des gens tout autour de toi pour qu'ils entrent aussi dans ce royaume. Parce que tu es rassuré en sachant que là où je suis, c'est la victoire. Là où je suis, c'est la lumière. Tu ne peux pas accepter les autres puissent demeurer dans les ténèbres lorsque tu es sûr et certain que je suis dans la lumière. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui me suit, laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont suivi Jésus. Mais des gens qui n'avaient pas de garantie, ils ont, à un certain moment, ils ont découragé, abandonné, parce qu'ils ne savaient pas. Ils venaient, ils écoutaient, mais quelque part, ils avaient aussi des doutes. Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est lui le sauveur? Est-ce que ce qui a été déclaré par des prophètes, est-ce que c'est l'accomplissement? Quelqu'un qui avance, qui progresse dans la vie chrétienne avec des doutes, n'aura jamais sûr de son garantie. Alléluia. Et vous allez se rendre compte, même lorsque Berger, que Dieu te bénisse, il nous a prêché, il nous a parlé de quelque chose en disant, même des disciples, quand ils avançaient avec Jésus pendant des temps, des années, eux aussi, ils voulaient savoir quelle est leur garantie, qu'est-ce qu'ils ont comme garantie auprès de Jésus. Et la Bible dit, Jésus les a dit, vous aurez l'autorité de juger les 12 tribus d'Israël. Vous aurez au centuple ici-bas. Et vous allez partir au ciel. Alléluia. L'une des plus grandes garanties de la vie chrétienne, vous devez savoir, lorsque nous parlons de la vie, vous devez savoir l'une des choses que l'homme a perdu le plus dangereux, c'est la vie. Notre passage ici-bas est tellement court. La vie d'une personne n'est pas garantie des milliards d'années. La vie d'une personne, lorsque c'était long, Dieu a réduit cela. Mais Dieu nous a garanti en Jésus-Christ la vie éternelle. C'est pour cela que la Bible dit, la vie éternelle, celle que connaisse toi, le seul vrai Dieu, et ton fils, celui que tu as envoyé. Laisse-moi te dire, tu peux gagner des millions, lorsque ta vie n'est pas garantie, tu as des problèmes. Laisse-moi te dire, tu peux payer des assurances vie, on va t'enterrer en prêt, mais après cette vie, il n'y aura pas une autre vie. Alléluia. Et les disciples voulaient cette garantie. Si Jésus avait seulement dit aux disciples, vous aurez des bonnes vies ici-bas, mais vous n'irez pas au ciel, ça devait les décourager. Parce que leur garantie, la meilleure garantie de la vie, c'est une garantie spirituelle. La meilleure garantie de ta vie, c'est une garantie qui t'amènera vers l'éternel. La meilleure garantie de ta vie, c'est là où ça va te rapprocher davantage vers ton Créateur. Et lorsque tu es proche de ton Créateur, tu verras des grands résultats auprès de l'éternel. Alléluia. Et Élie savait, celui qui a des garanties ne regarde pas le nombre. Je parle de nombre, pourquoi? Parce que le nombre peut influencer facilement une personne qui a une garantie en disant que c'est eux qui sont bons, c'est pas moi parce qu'ils sont nombreux. Quelqu'un peut me dire amen. Donnez-moi un bon amen. Celui qui est garanti ne regarde pas l'influence des autres. La Bible me dit, un homme avait l'assurance de garantir, de comprendre que mon Dieu est capable. On lui a dit, choisis des gens pour un combat. Il dit, il s'est porté volontaire. Il dit, je vais combattre. Il a regardé les hommes sortir. Ils étaient des milliers, mais il n'était pas rassuré. Avec un nombre, il aura la victoire. Laisse-moi t'apprendre. Si les autres peuvent agir à travers un nombre, Dieu peut agir à travers une personne. Dieu a envoyé la loi à travers une seule personne. Lorsque Moïse était avec Dieu, il a reçu la garantie. Dieu lui a dit, va maintenant vers Pharaon. Peu importe son cœur, peu importe sa vie, peu importe ce qu'il fait, mais je te garantis, même si ils sont incrédules, parce que laisse-moi t'apprendre. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu veut accomplir des choses, il va accomplir de grandes choses, il ne regarde pas de nombre, il regarde des gens qui sont rassurés. Moïse s'est posé des questions parce qu'il savait comment se comporte Pharaon. Mais lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, il a réuni l'assurance. Dieu lui a dit, dis-leur que je suis celui qui suis. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres.
Et lorsque tu as l'assurance, la garantie de savoir que je marche avec un Dieu qui n'échoue pas, je marche avec un Dieu qui est capable de faire de grandes choses. Quand tu avances, quand tu fais des choses, la garantie te permet de dire, peu importe le fléau, peu importe le combat, peu importe la résistance, mon Dieu est à mes côtés. Peu importe le vent, la tempête, à un moment donné, il agira. Je parle à quelqu'un. Des gens qui avaient la garantie d'être attachés à Dieu, même dans leur détresse les plus forts, ils n'ont pas abandonné Dieu. La Bible me dit jamais, jamais, qu'après la souffrance, il a perdu ses enfants, Job a perdu tout. Mais une chose, il savait, j'ai la garantie que j'ai un Dieu. C'est pour cela qu'il a fini par dire, je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Une garantie, dans des vents, dans des tempêtes, tu sauras toujours que mon Dieu me fera la victoire, me donnera la victoire. C'est pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, lorsqu'il partait, il a dit, je rendrai le cœur de Pharaon dur. Quelqu'un est-il avec moi? J'ai la garantie de la victoire. J'ai dit, toi aussi, tu as la garantie de la victoire. J'ai la garantie des solutions. Toi aussi, tu as la garantie des solutions. Parce que non pas par toi, mais parce que la lumière est avec toi. Même si les ténèbres vont avancer, même si les ténèbres seront dures pour toi, Dieu finira par te donner la victoire. Et Moïse, lorsqu'il partait devant Pharaon, il disait, je viens au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, car la lumière sera à tes côtés. Peu importe des formes et des dimensions de combat, tu finiras par vaincre. Ne perds jamais espoir, n'observe pas les autres, n'observe pas d'autres personnes. Dans les choix de Dieu, Dieu écartait les gens. Jésus arrivait à 70 disciples, dit 70, vous partez. Seuls des gens qui ont compris l'assurance et la garantie peuvent rester avec Jésus. Parce que si tu n'as pas compris, tu ne feras pas des choses selon le principe de Dieu. Et lorsque Gédéon a dit, le dernier signe pour faire la dernière sélection, il a dit, vous allez boire l'eau. Celui qui a la garantie ne boit pas l'eau à la manière de tout le monde. Lui, il boit à la direction de son Dieu. Mais par contre, la garantie fait en sorte qu'il fasse des choses selon la direction de son Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'il est adressée à quelqu'un, tu peux faire des choses contrairement à d'autres personnes. Mais cela, peu importe le vent ou le combat, tu finiras par vaincre. Imaginez que le Dieu que je parle, qui donne la garantie, il a dit à un homme, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va là où je te montrerai, je rendrai ton nom grand. Mais ce nom, cette personne-là, qui savait que Dieu lui a parlé, il traversait des moments difficiles. Il est arrivé même à mentir en disant que Sarah, ce n'est pas ma femme. Parce que tout simplement, il voulait entrer dans la bénédiction. Donc, il a menti. Mais écoutez-moi très bien. Il a perdu espoir. Mais il avait la garantie que c'est la parole de Dieu qui était semée en lui. Je dis aussi à quelqu'un aujourd'hui, si la parole de Dieu est semée chaque jour dans votre vie, tu auras plus de garanties que d'autres personnes. Là où les autres vont décourager et tourner le dos, toi, tu vas avancer encore davantage pour saisir la présence de Dieu. Parce que tu sais, ce n'est pas le temps qui joue, mais c'est la garantie qui joue. Je ne parle pas encore des miracles, mais je parle d'une garantie. Lorsque tu es garanti, même si tu ne vois pas de miracles aujourd'hui, tu seras fidèle à Dieu. Même si ça sève 120 ans, tu seras fidèle à Dieu. Tu sais, un jour, tôt ou tard, ça va arriver. À 120 ans, j'aurai des enfants. À 130 ans, j'aurai des enfants. Parce que j'ai la garantie que Dieu est à mes côtés. Parce que Dieu sera lui-même avec toi. La garantie de savoir, s'il passe ici, il ne passera nulle part s'il ne passe par chez moi. À quoi que nous sommes les cambouteurs, ce qu'on y est bien, on est la famille. C'est la garantie d'avoir un Dieu. Et des gens qui ont eu la garantie. Et lui disait, appelez d'abord votre Dieu. Appelez-le, peut-être il est en voyage. Et un homme de Dieu, un enfant de Dieu, dans la vie chrétienne, qui ne maîtrise pas des garanties qu'il a, il peut céder rapidement avant l'avoir la bénédiction.
Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, imaginez. La Bible me dit, lorsque Moïse arriva en Égypte, il fallait 10 plaies pour la délivrance de sa mission. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas la garantie. Quand ils prient aujourd'hui, tu ne vois pas un résultat, tu vois qu'il y a des difficultés. Tu pries demain, tu vois des résultats, tu vois qu'il y a des difficultés, tu abandonnes. Parce que tu n'as pas l'assurance ou la garantie que Dieu finira par agir. Je parle à quelqu'un, quelqu'un peut me dire amen. Parce que tu n'as pas la garantie. Quand tu pries, il y a même des gens quand ils prient, c'est comme si ils prient, après ils sortent, ils vont regarder quand est-ce que ça va tomber. Et quand l'ennemi peut s'élever, que Dieu te bénisse, berger. Il a parlé de quelque chose que la prière de Daniel à Dieu avait déjà répondu. Mais l'ennemi a commencé à combattre la prière de Daniel au septième ciel. Si tu n'as pas la garantie de la vie chrétienne, tu peux commencer des choses, tu ne finiras jamais. La Bible dit, celui qui relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Un enfant de Dieu qui a la garantie, c'est celui qui ne lâche pas. C'est celui qui ne court, qui ne se fatigue pas. Celui qui combat, qui ne lâche jamais. Même s'il ne voit rien, il continue. Il sait que l'ennemi finira par céder. Parce que mon Dieu est plus puissant que celui qui est dans ce monde. La Bible me dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si tu es rassuré que Goliath est à son côté, malgré sa force, toi tu sais que l'Éternel est plus puissant. Tu seras comme David en disant, je suis garanti, j'ai une garantie. C'est pour cela que j'aime apprendre à ce qui concerne les garanties. Un enfant de Dieu doit avoir des choses qu'il a littées, gardées dans sa tête. Et le jour de ce combat commence à rappeler. Ça prouve la garantie. Les jours où on m'a attaqué la nuit, Dieu m'a donné la victoire parce qu'il était mon assurance. Et écoutez-moi très bien. La Bible m'apprend que lorsque Dieu parle des chrétiens, il dit, vous êtes les sels de la terre. Si toi tu n'es pas là, la nourriture qu'on a préparée, ça ne va pas avoir de goût. Vous êtes la lumière du monde. Et Dieu nous rassure, ce sont des garanties. En disant, là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Ce sont des garanties. Et Jésus, en disant, vous êtes une ville située sur la montagne. Si tu attends que tout le monde se pose des questions pour toi, parce que Dieu veut t'exposer que des gens voient ton problème, voient tes difficultés. Quand il le fera, que des gens puissent comprendre que c'est lui qui a fait. Ce n'est pas une autre personne. Si Abraham, avec toutes les promesses qu'il avait de Dieu, qu'il a engendré à l'âge de 28 ans, personne ne pouvait voir la grandeur de Dieu. L'histoire d'Abraham ne devait pas être si fort que nous parlons. Nous parlons de cela parce que nous savons, à quelque part, c'est impossible. Et lorsque vous avez la garantie que vous êtes avec un Dieu qui réalise des choses impossibles, vous êtes rassuré et garanti. Vous allez dire au problème, peu importe ta force et ta réalité, je sais que je finirai par obtenir la victoire. Alléluia. Nous devons se rendre compte, nous avons besoin d'être rassurés. Vous devez se rendre compte, il y a des fois, je vais parler aux parents. Il arrive, il y a des fois aux parents, vous avez des enfants qui sont jeunes. Des enfants te commencent à pleurer en disant que, papa, on a peur. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Écoutez mes enfants, n'ayez pas peur. Pour toi, pour ton fils, tu es comme un héros. Alléluia. Il y a des fois tes failles, tu ne peux pas les montrer devant tes enfants parce que tout simplement tu es un père. Des enfants te considèrent à un certain niveau. Ils ont l'assurance. Si mon père était là, si ma mère était là, personne ne pourra me toucher parce que mon père est là. Ce sont des paroles qui tourmentaient d'autres personnes. Mais celui qui a la garantie de savoir, ce soir je parle à quelqu'un dont son Dieu tombe après 3 jours. Des femmes partaient vite. Ils avaient la garantie, mais ils avaient quelque part pas de garantie en disant, oh, on y va là-bas. Mais qui nous roulera la pierre? Mais ils partaient toujours. Arrivés sur place, lorsqu'ils ont trouvé la pierre était déjà ôtée, entrés là-bas, ils ont trouvé que le corps n'était pas là. Mais ils commençaient encore à dire, qui a volé notre Dieu?
Je parle à quelqu'un. Nzambe no bakotikala kako yiba ete. Nzambe no bakotikala kako longa ete. Cela veut dire, il les a rassurés à plusieurs fois. Je vais mourir. Il faut que j'aille à Jérusalem. Parce que lorsque je vais mourir, je ne serai pas comme je suis. Je vais être encore plus différent. Je dois me battre avec le diable et vaincre. Lorsque la victoire sera à mon côté, vous aussi vous serez victorieux. Vos vies ne seront plus identiques. Je parle de l'assurance parce que Bouddha est mort, il n'est pas résisté. Je parle de l'assurance parce que Kimbangu est mort, il n'est pas résisté. Je parle de l'assurance parce qu'un pasteur puissant est mort, il n'est pas résisté. Je parle de l'assurance, un homme s'est autoproclamé Dieu, un jour sa voiture est tombée à panne. Je parle de l'assurance parce que le Dieu qui m'a mis devant vous, il est puissant et fort. Il n'échoue jamais. Même à la mort, il était victorieux. Il a subi 3 jours dans le tombeau, mais l'assurance était là. Ne sois pas devant Dieu, ne sois pas un Thomas. Tu marches avec Dieu, mais tu doutes du jour. Est-ce que Kosimbaka, est-ce que quoi avancer? Est-ce que Glizango est Liboso? Est-ce que Makambango est Koshanzaka? Est-ce que Kosala Mukolonini? Tu te poses des questions, tu regardes les hommes, mais pas ton Dieu. Un homme ne peut échouer. Jean-Félix peut échouer, mais ton Dieu n'échoue jamais. Ayez confiance à l'Éternel. Si tu es actif, tu as la silence, tu es garanti. Mi pepo na zomona, mais égyptien na zomona, et kosi la kanango. Et ça n'a pas de temps, et ça n'a pas de moment. Moi, je dois avoir seulement la silence. J'ai un Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des fois, quand Dieu m'apprend certaines choses, ça me fait triste. Si Dieu voulait commencer de grandes choses, il devait créer directement 100 personnes. Dis à celui ou à celle qui est à côté de toi, Dieu va commencer par moi. Alléluia. Je vous dis sincèrement, il y a certains mystères. Si tu n'as pas l'assurance, ne me suis pas. N'entre pas, parce que tu vas échouer. La Bible dit, l'autre se dit, lorsque Abraham commençait à dire ces choses, il dit, Nzamba lobelingai, fona bimamboko, fona tika va paranangai. L'autre se dit, nakolanda kaka. Je vais seulement suivre cet homme. Si tu n'es pas rassuré, si tu n'as pas la garantie de la vie chrétienne, ne suis pas. Si tu pars à gauche, j'irai à droite. Si tu pars à droite, j'irai à gauche. Mais ce que tu ne sais pas, peu importe le chemin apprêté, celui qui a la silence n'échoue jamais. Même après désert, tôt ou tard, son Dieu agira. Il y a même des gens qui font des calculs. Bon, toutefois, là, qui n'ont pas pété les lois. D'accord. Parce que tu ne comprends pas. Pierre a compris. Jésus les a dit, Pierre, les autres sont partis. Qu'est-ce que toi tu attends? Vas-y. Pierre a dit, moi, Pierre, j'irai où? J'irai où moi? Moi j'ai connu la parole de la vie. J'ai connu la lumière. J'irai où? Il y a certaines choses, quand tu ne comprends pas, ton nom ne sera pas cité. Vous allez voir. Tous les 70 disciples qui étaient partis, leur nom, qui connaît leur nom? Alléluia. C'est-à-dire, celui qui marche avec Dieu ne voit pas de tempête. La Bible dit, l'autre a regardé une ville bien construite. Il dit, j'irai là-bas. Je vais être bien, je vais progresser facilement. Mais celui qui a Dieu ne regarde pas l'espace bien construit. Lui, il regarde la garantie envers son Dieu. J'ai accepté Jésus qu'il ne échoue jamais. Je vais aller avec lui. Même si ça ne marche pas, même si je dors dehors, je vais regarder ce Dieu-là parce qu'il finira par agir. Lorsque Dieu agit, si tu as la garantie, tu verras des résultats. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a certaines choses, c'est pas facile de suivre quelqu'un. Moi, je perds. Si tu ne comprends pas, tu peux être au sac de toi-même. Tu vas dire, j'y vais quand même, mais je ne fais pas partie. Tu vas dire, j'y vais quand même, mais je n'entre pas en profondeur. Mais laisse-moi te dire, si des gens ont réussi avec Jésus-Christ, parce qu'ils avaient la garantie à sa parole, on n'échoue jamais. Des pécheurs confirmés, on nous a appris ici. Il dit, sinon, à ta parole, je jetterai mon filet.
Celui qui a la garantie savent là où la parole des hommes a échoué, là où la parole de son oncle a échoué, là où ses efforts ont échoué. Lorsque Dieu dit un mot, lorsque Jésus dit un mot, tu dois finir par réussir. Dieu voulait apprendre. Pour être restauré, tu dois d'abord prendre conscience. Conscience, c'est-à-dire, je dois être garanti. Il y a même des gens qui prient, hein? Permettez-moi. Tu prends vraiment le temps de prière. Mais toi-même, tu demandes encore, est-ce que nous avons un peu de temps? Moi, le wanabi soit atteint. Attends, je vais t'interpréter. Ma sœur, sois ici avec moi. Alléluia. Tu fais tes prières. Regarde-moi. Tu fais tes prières. Après, tu dis, est-ce que Dieu m'attend? Mais tu veux dire à personne. Parce que tu n'as pas la garantie. Je vais te rassurer aujourd'hui. Des gens qui ont marché avec Dieu qui avait la garantie savaient que Dieu n'échoue jamais. Et des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu, même leur échec avant était changé en victoire. Parce qu'ils savaient avec Dieu on n'échoue jamais. Alléluia. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu.